À peine revenu du Luxembourg, on est déjà reparti en event et cette fois-ci à Zurich. L'endroit où a été créé le Sneakerness pour le premier Sneakerness du coup de la saison. Et j'ai très hâte, déjà ça commence très bien. Il y a une queue de... Franchement, il y a une queue de zinzin. Il y a une queue de fou. Il y a des choses déjà autour avec un basket 3x3 juste là. Et la queue, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. La queue va jusqu'au bout là-bas, jusqu'à la gare. Bon, par contre, les Suisses, votre gare, vos trains, vos machins, j'ai rien compris. En plus, tout le monde parle allemand, c'est écrit allemand partout. Alors je comprends rien, mais à la différence de d'habitude, je vais commencer l'événement avec vous. Je vais le découvrir avec vous. Vous allez me suivre dans le flow d'habitude. Je fais toujours un petit tour pour voir comment ça se passe et tout. Et puis comme d'habitude, je sais que vous aimez cette série, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire, me mettre un like et à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Bon, nous, on a de la chance, on n'a pas besoin de faire la queue étant donné qu'on est dans la guest list normalement. Il y a la hype que j'aime, il y a la hype que j'attends quand je vais en événement. Et enfin, ça revient, enfin il y a des gens qui attendent, enfin il y a des gens qui ont envie de voir les paires. Maintenant, à voir si il y a des trucs différents. Hello. Hello. I'm normally on the guest list. Yes. Olé. From the media, right? Yep. Et ben voilà, alors attendez messieurs, là je suis trop fier là. J'ai mon premier Media Pass après 3 ou 4 Sneakerness. Enfin j'ai un Media Pass, bordel. Je dois aller, ok. Oh là là, oh là là. Regardez ça. Petite venue Sneakerness. Non, ça c'est stylé. Et après quand on arrive. Oh là là, je suis trop heureux. Enfin, je viens à un événement à la hauteur de ce que j'attends. Je sais même pas regarder. Je vois quelque chose que je ne vois jamais en événement Sneakers. On a une petite Jordan 1 Low Royal. Incroyable, avec d'autres Jordan 1 Low. Alors pas forcément avoir les prix à chaque fois. On a de la UNC juste là, on a de la Off-White juste là, de la Jordan 4, de la New Balance pour nos frérots qui aiment ça. Et en vrai ça c'est quoi, c'est 991. J'aime bien. Hein. Il y a juste un truc, je vais pas vous mentir, je l'ai vu de loin. Ça m'a attiré l'œil de fou furieux. Une paire que je n'ai jamais vue. On va demander pour l'avoir en main, mais je pense que ça dira non. La Year of the Rabbit. Is it possible to have this pair in hand just to show it on the camera? La petite Year of the Rabbit. Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, avec l'intérieur là, vous n'allez pas forcément voir. Je sais pas, on n'arrivera pas à savoir le numéro de la paire, mais je sais plus c'est limité à combien de paires. La semelle, je savais pas que c'était comme ça. Elle est un peu translucide. Do you know how much is this? 1500. 1 500 €. Un jour peut-être. Thank you very much. On a des dunks juste là et après plus on va avancer, plus on aura des paires cool. Ça vous savez, hein. Vous connaissez mon amour pour cette paire. Je sais pas pourquoi j'aime autant cette dunk. Hein. Je sais pas laquelle c'est ma préférée. En dehors de la 1 et la 50, celle-là elle est cool en vrai, la 24. Allez, pour Kobe ce sera la 24. Et après, là vous avez des bangers. Hein. On a de la 2 off-white, la 4 off-white, là comme des garçons. Rookie of the Year, je sais plus le nom de celle-ci. La Travis Fragment ici. Oh là là, et ça a sorti des grosses paires. Il y a que des folies frère. Il y a que des dingueries. La pata. Putain, on a de la pata là, à 2500, incroyable. Là, bon évidemment, la Travis. La 993, elle est bien sympa. Non, c'est trop, t'es venu pour flex. En deux temps, on a fait plus de grosses paires qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Là, alors attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est Tolito, c'est un magasin italien. C'est pas forcément des gères, mais des paires qui sont encore en stock. La Celtic juste là, on a de la bleue là. Vous savez que j'ai revendu il n'y a pas très longtemps, avec de la 2. On a de la fausse Union là-bas. Ah, c'est cool. Si c'est retail, c'est incroyable. Ici, on a un stand plutôt. Ah, des petites tailles. La Tom Satch, je crois, à 130 €. Alors, attendez, j'essaie de montrer des trucs un peu plus qu'on montre jamais. La petite Asics Gel Light 3, très très cool à 100 €. Et tu vois, c'est pas très cher. La Roche Run, t'es mis Yeezy, comme à l'ancienne. Il y a que des folies, frère. C'est grave. Oh, il y a de la chloro. J'ai demandé tout à l'heure pas mal de paires juste là. On va juste voir le prix de la Lost and Found. 440 € en 46. En vrai, le prix est plutôt honnête. La Pata à 700. Combien la vendent la chloro? 1 100 € la chloro, ça c'est un pied énorme. On a de la Elephant avec le pack de la Jordan 3 là, à 1 500. Pourquoi vous aimez cette paire là? Qu'est-ce qu'elle vous procure? Je déteste. Avec Atmos. Incroyable. Et ça c'est quoi? La personne qui a cette paire va mieux en parler. Là, le t'inquiète. Affiché à 12 500. 12 500 €. 24 paires maintenant. 24 paires monde, ok. Ah ouais. Et c'est genre effet. Ah ouais, même la boîte, elle est. La boîte c'est du bois. Et la paire c'est pas du bois par contre, on est bien d'accord. Non, c'est effet bois, mais. Incroyable. Incroyable. Et la para à côté. Non, elle est folle. Bravo messieurs. Vous avez vendu un petit peu ou pas? Pas encore. Pas encore. Ça va arriver. Très cool. C'est quoi ça? Ah, c'est la 90 Air Max One. Je sais pas si j'aime bien le crossover, tu vois. J'aime les deux pourtant. Hein. T'en penses quoi de l'anniversary, Red Anniversary, mais tu sais. Big Double. La réédition est cool, mais. L'histoire est sympa, même les Kids of je sais pas quoi qu'ils ont sorti là, avec 1086 paires là. C'est ça, mais le shape de l'anniversary pour moi est plus sympa. Comment ça va les refs? Vous avez acheté des trucs ou pas? Ah, j'hésite. Hein. T'achètes avec quoi? Des paires de white. Ah, mais t'as de l'argent toi alors. Ah, ça c'est sympa ça. Watermelon ici en 45. Il y a des paires pour enfants là, de la petite shatter backboard. C'est pas
pas mal ça. Hein. What's your price on this? 100. Ça va être un peu cher pour acheter ça. Oh là là, les paires, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein. La petite 72-10 juste là. En plus, c'est que ma taille. Pourquoi la Space Jam, non, c'est pas la Space Jam, c'est la Cap and Gown. Bon, un truc comme ça, je sais plus le nom. Spiridon, juste là, qui est très très sympa. Je connais pas forcément. La Jound, incroyable. Ça, c'est des paires. Je suis en train de kiffer. Moi, je suis en train de kiffer ça là. La 992 là. Je suis en train de kiffer ce shape. Je sais pas pourquoi. La Magma à 220. En plus, c'est à ma taille qui est hyper cool. Mais c'est pas si aujourd'hui je ferai un achat parce que venir en Suisse m'a déjà coûté bien bien cher. Ah, mais c'est ça. La Kids of Immigrant ou pas? The other one, I have the number on it. Yeah, yeah. It's the Kids of Immigrant. Yes. Do you like it or not, the big bubble? No, the big bubble not. And no. No. 1986 pairs. And how much? Oh, thank you. 400. Okay. Why do you have only 11 US on your table? It's our size. Oh, ah, it's your size. It's mine too. That's bad. That's bad. 1371 sur 1986. Ça, c'est archi cool. La paire, elle a l'air plutôt quali. Hein. Après, les couleurs et tout, l'histoire, j'aurais pas forcément. Mais la paire, elle est très sympa. Vraiment. Louis Vuitton, juste là. Louis Vuitton ici aussi. Incroyable. Et puis de la Alex Eder, moi, je l'appelle cette paire-là. J'essaie de voir s'il n'y a pas des copains ici derrière les stands. Mais j'ai les mains. J'ai du truc sur les doigts, là. Ça me fait chier, là. J'ai plus envie de toucher les paires, du coup. La Travis, juste là. DS avec de la Mocha, de la Mamanière. Les trois sont très cool. Hein. En vrai, les trois sont banger. De la Para, de la Louis Vuitton. Et ça, c'est pas mal. Hein. À 320. Et c'est quelle taille, ça? Du UK9, USA 17. Bon, ah, pas ma taille. Tant pis, tant pis, tant pis. Oh bah, regardez, vous vous rappelez pour les anciens? Il y a la Kondo 215 du coup, elle a pas bien compris. Oh là là, oh là là. La Travis, la première Air Force One, 650 €. Alors je saurais pas la taille, mais c'est pas du 11 en tout cas. Ça c'est une horreur, je sais même pas pourquoi il est long. Surcoté. Et après on a de la 6 Travis, qui est très très sympa. Et ça je vous ai dit la semaine dernière, j'aime beaucoup. Et là, je crois qu'il y a des paires un peu portées. On a de la Air Max, j'aime bien. Hein. La Air Max 90 Bacon, j'aime beaucoup. Hein. Bon, c'est du 10, malheureusement. C'est pas du 11, tant pis. On pourra pas la prendre, bien heureusement pour moi. Et il y a des paires portées. La Troublou juste là, qui est sympa. Et la 6 Brasil, on en parlait la semaine dernière. C'est marrant de voir cette paire là, c'est du 11,5. La Double Nickel, Jordan 10 avec la meilleure semelle, avec tous les achievements de Jordan. Très très sympa. Oh punaise! Ça c'est retrouvé sur les pieds de LeBron James, la petite Jordan 1 Low de base, comment ça s'appelle, la Neutral Grey qu'il a repassé en Off-White, qui est très très sympa. Les détails sont très très cool. Avec qu'un côté avec le gros souche. Le Jordan 4, je pense que c'est inspiré de la Une Family. On a de la Travis juste là avec la Héritage. Je vous avais dit la Héritage, très cool. Là, je crois que c'est des paires normales. Hein. Par contre, on a une création Louis Vuitton. Et du coup, on doit, je suppose, choisir son cuir et tout. Et puis après, faire sa paire. C'est un peu comme chez Savoir Faire Paris. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Matt justement si ça vous intéresse. Ah, mais là, ça va plaire à Denis encore. On a des Dunk ici avec la Brasil, si je dis pas de bêtises, juste là-haut. Deux DS, une Muse, une à 500, une à 700, une à 1500. Très très compliqué de se faufiler là. Hein. Genre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'affaires avec la petite Jordan 1 Low juste là, Starfish, bon, le Goog est en train de me rendre fou. Les Union avec la Guava Ice là-bas, 10 US, 795 €. Au bout de la Dunk en bas, c'est de voir s'il n'y a pas des trucs un peu cool, mais je sais pas pourquoi il y a autant de monde sur ce stand. Je sais pas comment ça s'appelle ça, la Californie, un truc comme ça. Le Dunk Pigeon que j'avais eu à Londres, comment ils la vendent ici. Quoi? 570 en taille 42, et bah dis donc, ils se font pas chier. Hein. La Suprême pour mes amoureux de la Dunk. Bon, là, je vous fais un petit moment Dunk. Hein. Je sais pas comment elle s'appelle celle-ci. Bien cool aussi, à 400 € en taille 41. Et après, on a plutôt des paires classiques que vous connaissez forcément. Et là-haut, on a aussi des paires un peu cool. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs que je sais pas vraiment pas ce que c'est. Je ne comprends pas pourquoi. Sorry. Pourquoi il y a autant de monde ici. Soit. Regardez, mais je comprends pas. Il y a genre vraiment beaucoup de monde sur ces stands là. Ces deux stands là, ça doit être les endroits où il y a le plus de trucs, genre je sais pas pourquoi. Je me demande si c'est pas des paires déjà utilisées. Bah tu sais quoi, vous savez quoi, je vais demander aux mecs qui tiennent les stands, je crois. Hein. Why there is so much people just here and here? Because we're the best. I like this answer. No, I think it's just because it's a pretty nice spot when it comes to the location. Yeah, yeah, yeah. Coming in, okay. And seeing us. Okay. And we've been here for a couple of years, so people know us. What's the biggest pairs you have on it here? The biggest hit. The biggest hit, yeah. Will be the undefeated. Definitely. Yeah. Qui est très très cool. Enfin, qui est très très cool. J'y sais très très cool comme si c'était normal. What's the price on this? Chef. What's the price on the undefeated? How much? Yeah. Like 20. 20k? 20k. It's a steal. It's a steal? Yeah. Yeah, but it's pretty big, no? Yes. You need to restore. Yeah, yeah, I think. Thank you very much. Off-white. Là-haut et pas mal de Dunk juste là. Les métalliques, hein, avec la orange, la violette, la verte
on n'a pas les prix dessus. Oh là là, si vous voulez de la Jordan 1 Low, on a de la Eric Coston. Ils vont dans ces matailles en plus à 9. Je ne saurais pas vous dire le prix du coup. Et comment je ne peux pas être fier de voir ce genre de choses, hein. La petite braid avec de la shadow juste à côté. How much it is? 600. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Sans le swoosh, juste là, que j'aime pas trop. Mais ça prend le shape OG. Et après, on a des paires cool. Là, on a de la... Ça, c'est cool. J'aime bien ce coloris-là. C'est sympa. C'est du 9, du 8, je crois. Bien sympa. Mais pas forcément des trucs qui vont nous intéresser ici. On vient d'avoir l'info à Tolito là-bas. Les paires sont retail. Bon, après, c'est des briques ou je sais pas quoi de ce qu'on m'a dit, les gars. Mais il y a des paires pour enfants. Il y a moyen qu'on aille voir. Ça, c'est le stand de base qu'on a sur les sneakerness. Full de Jordan 1 Mid, des machins qui se vendent à fond. On a de la Firehead, de la Travis 6, Travis 1, Travis SB. La petite Off-White et de la Union. Franchement, je pense vraiment, hein, ce sont les meilleurs collabs qui ont été faits sur les Jordan 1 avec des paires surcotées et de la Off-White juste là. Mais après, on a des paires plutôt classiques. Il y a des Lottery Machines. 2005, 2010, 2018, 2023. What is your favorite on every shoe? 2018. And you don't like the 2023? No. When the big bubble? I don't like it too. It's very cheap. Avec la dunk, 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 la dunk. Chris. Hey, ça va mon gars, tu vas bien? Et toi? Oh là là, t'es beau, hein? Ça fait plaisir de te voir. Ça va. Bonne année, bonne santé. Ah oui, c'est bon, c'est pas remis depuis mon frère. Salut la team, Chris, j'espère que vous allez ce bien. Ce salopard qui m'a donné à Kentucky, je pouvais plus m'en séparer. Kentucky, il a. Non, et en attendant, t'as gagné face à ton pote. Le prix était ultra fair et en plus, il n'y avait pas encore le restock. Le restock, et malgré ça, la qualité du restock était mauvaise. Tu peux le savoir parce que si t'as la nouvelle et que tu vois l'ancienne, il y a une différence. Ah ouais. T'es venu faire quoi là? Rien, chiller, voir du monde. T'es venu voir les gens? Ouais. Un petit peu trop bien. Et puis là on essaye de voir si on peut acheter un ou deux trucs sympas. Par exemple, j'ai vu deux trois trucs un peu chers malheureusement pour l'instant. Du genre Albert Einge, Air Max 1, le gars il demandait 49 000, tu vois. J'ai vu des paires à 20 000, je sais pas 20 000, quoi, voilà, tu vois, c'est en plus autour de 20 000 exactement, tu vois. Après toi, si on top une à 15, c'est bien. Petite interlude avec notre ami Chris qui vient de se terminer. Je crois qu'on arrive vers la fin de l'événement. Il commence à y avoir un peu de monde. Ah bah regardez, on a de la Air Max 1 à gogo là. On a de la Hemp qui est très sympa, hein, que j'ai chopé. Je l'avais jamais vu en vrai. Air Max Travis, la Wet. Qui est bien sympa. Animal, Atmos, on a de la Suzanne juste là. Et après on a de la Pata, la petite Sean Wotherspoon, très très cool. Les amis, ça à 510 euros. La petite braid. Do you like the reimagined one? The one with leather on it? That's bad. The cash, okay. Ah. I am honest with you. I don't understand the hype behind the black cat. Yeah. Just for that. Thanks, my man. You're welcome. Bon, l'anglais, il est un peu plus au point que la semaine dernière. C'est un peu mieux. La plus belle, hein, qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps, la Military Blue, avec la Travis, la Amsterdam. Juste là. Incroyable. Pour mes amoureux de New Balance, ça c'est fou. 92. Ça c'est très fou, ça. Ça c'est fou de fou. En montant avec des Air Max One bien bien cool. En terminant par quelque chose que vous savez que j'aime pas trop. Et la petite Travis juste là-haut. Donc j'ai absolument revoir chez nos amis de Tolito là, parce que s'il y a des petites tailles, il y a moyen que ce soit cool. Là il y a du 3 Yous. Et là je sais pas c'est du combien. En vrai. Du priorité là. Ouais. À combien? Je sais pas. 80 balles pour ça, frère. Normalement il est relâché. Ça fait beaucoup 80 balles. Allez, on y va. Allez, on arrête. On arrête. Non, arrêtez. C'est ça votre problème, vous me poussez à l'achat là. Le frérot qui va se prendre en photo. Je sais pas du coup ce qu'ils vont faire. Mais on va faire, moi j'ai envie de faire des photos. J'aime bien les souvenirs. Just stay inside. Ok. So I take one picture of you. Okay. Then we change the clothes you okay. Might see on the screen. Okay. Yeah. Thanks. Push the photo. Oh c'est moi wesh. Ah, and I just have to push one time. One time more? Again. I didn't win. Behind, so you don't win nothing. You can have your picture there. Oh, behind, thank you. Okay? Thank you very much. You're bye. Welcome. Oh là là, regardez ça. Petite photo très cool. C'est quoi ce feat de zinzin que j'ai là? Les refs, j'ai bien fait de pas couper la caméra. Il y a un rappeur là, mais je crois qu'on va rien comprendre. Hein. Mon rêve. Ça c'est mon rêve, les refs. Allez. Allez, allez. Alors attendez, parce qu'il y a un truc galerie là-bas. Ah là, on voit tout là, c'est pas mal. Très cool. Hein. Je vais aller demander à Chris de me faire une photo, je crois. Et voilà les refs, on sort de l'événement. Je suis monté un peu me désaltérer dans la zone un peu privatisée pour être tranquille. Et il y avait Chris de Retro Shop qu'on a vu durant l'événement et on a pris le temps de discuter parce que toujours intéressant de discuter avec lui. Il y a eu pas mal d'idées, il m'a donné pas mal de tips et tout. Donc je préférais garder ça pour moi. Petit événement bien sympa. Il était vraiment cool, il y avait pas mal de choses. Les gens étaient contents de discuter. Malheureusement pas d'achat, mais normalement avec les choses qui arrivent, on devrait s'arranger pour avoir des trucs cool. Et je sais pas si j'arrive à un moment où je commence à me lasser des événements, mais j'arrive à un moment où je sens que faut que le contenu il évolue, donc on va essayer de faire des trucs un peu plus cool, préparer des machins où quand je vais vous voir il y aura des choses qui vont se passer, mais bref, on va pas trop en dire. L'événement était très sympa, encore merci au Sneakerness de m'avoir invité, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et me le dire en commentaire s'il y a une paire sur laquelle vous aurez craqué ou pas, et puis on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien, ciao.